Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aux rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. Je les ai pas vues, j'ai tout raté aux rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis parce que j'étais pas là. Mais ce soir, je me rattrape avec, je pense, enfin, un des spectacles qui me chauffait le plus dans la programmation, François Chéniaud, dont j'avais vu le travail à Avignon cet été dans Romance Incerto. Et là, il travaille avec le collectif Carte Blanche. Il présente Soufflette, un spectacle avec 14 interprètes. Et j'ai vu ça dans le programme. Des costumes de Romain Bro. Et Romain Bro, c'est le mec que vous voyez en ce moment dans les crevettes pailletées. Et c'est aussi quelqu'un que vous voyez très souvent chez Madame Arthur, qui est un peu la star du cabaret Madame Arthur. Et surtout, c'est quelqu'un qu'on a vu dans Projet Fashion sur D8. Oh ouais, vous aimez cette référence. Je viens de vivre une heure d'absolue beauté, mais littéralement. Donc cette carte blanche, ouais, c'était vraiment une heure de pure beauté. C'est le seul truc que j'ai dit en sortant. Ça commence par quelque chose de très matinal, de l'obscurité. Il y a de la lumière qui va sortir de boîtes, et de la couleur qui va sortir de ces boîtes. Il y a une éclosion comme ça par touche sur le plateau. Et c'est des stries de lumière, comme des persiennes un peu. Ça, c'est très matinal. Et puis ensuite, on va aller plus dans un brouhaha, dans quelque chose de plus... C'est étonnant parce que les costumes à ce moment-là, c'est des gros trucs en laine, des grosses mailles. Il y a à la fois un truc très dur, très côte de maille, métallique, même un peu dans les sculptures que ça crée dans l'espace avec tous ces groupes. C'est quelque chose de très rocailleux. Et en même temps, hyper cocooning, hyper doux. Ce spectacle est fait comme ça, beaucoup de contrastes, d'opposition. Il y a ça, donc cette laine hyper douce, en même temps qui représente une structure beaucoup plus dure. Il y a les chants polyphoniques qui sont d'une douceur et d'une beauté incroyable. Et en même temps, les percussions avec les pieds qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus marquantes. Il y a ces boîtes sombres en bois, hyper anguleuses. Et inversement, à l'intérieur, c'est hyper coloré, très doux, très fleuri, avec une lumière jaune, contrairement à la lumière blanche de l'extérieur. Donc cette opposition aussi, chaud-froid, les oppositions aussi, il y a ces pas militaires très, très durs, qui progressivement vont devenir beaucoup plus aériens, beaucoup plus amples. Du militaire, on passe à une danse beaucoup plus hispanique, plus pleine de folklore. Moi, je dois dire que j'avais un petit peu peur au début, parce que quand j'ai lu Chant du 12e, 13e siècle, je me suis dit, bon... Moi, la période médiévale, c'est une période que j'affectionne pas du tout. De toutes les œuvres qui découlent de cette période, que ce soit picturale ou musicale, même théâtrale, c'est vraiment, c'est pas une période qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, ce travail qui est fait sur cette période du 12e, 13e, alors déjà en amenant beaucoup de chansons hyper populaires, alors j'ai pas tout reconnu, mais notamment à la fin. Killing me softly with this song. Ça doit s'appeler Killing Me Softly. Et puis esthétiquement, du coup, on n'est plus tant dans le médiéval que ça. Il me semble que cette composition florale, notamment, on est quand même beaucoup plus dans quelque chose de l'art nouveau. J'avais l'impression d'être chez Mucha. J'ai jamais su prononcer ce nom. Hein. Mucha. Le mec qui faisait les affiches pour Sarah Bernard, en tout cas. À un moment, j'ai vu l'après-midi d'un faune de Nijinsky. Mais ce que je retiens vraiment, et ce qui reste ce soir-là, c'est que j'ai été pendant une heure dans une extase contemplative. Et il y a quelque chose, malheureusement, qui est hyper onirique, mais littéralement, c'est que là, le temps passe et les souvenirs s'évaporent. Ces moments de beauté un peu surréalistes qui ont surgi sur le plateau, là, j'ai du mal à revoir des images, en fait. C'est en train de passer et ce qui me reste, c'est juste le souvenir de mon état. C'est plus du tout ce qu'il y avait sur le plateau, c'est très étrange ça. Alors par contre la soufflette, parce qu'une soufflette c'est quand on se passe de la fumée d'une bouche à l'autre, c'est cette merveilleuse scène dans Un chant d'amour de Jean Genet, le film, où il y a un prisonnier qui souffle sa fumée dans une paille, qui lui fait glisser dans le mur entre les deux prisons, et l'autre prisonnier reçoit la fumée par cette paille-là. Si vous ne devez voir qu'une seule soufflette dans votre vie, ce serait celle-là, Un chant d'amour de Jean Genet. Bref, c'était merveilleux, sublime, beau, fleuri. Les costumes sont vraiment dingues. D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé, il y aura bientôt une vidéo sur la chaîne que j'ai toujours pas sortie, mais je l'ai tournée il y a quelques jours déjà, au Metropolitan Museum de New York, il y a une exposition Camp qui retrace l'histoire de l'esthétique Camp. Et ce spectacle s'inscrit tout à fait là-dedans, et j'espère que j'aurai le temps de sortir la vidéo bientôt,
puisqu'elle sera très en lien avec ce spectacle, avec les costumes qui ont été créés pour ce spectacle par Romain Bro. Donc voilà, c'est la fin de cette brève vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de donner des petits pouces en l'air aussi. Plus vous interagissez avec les vidéos, plus il y a de référencement, plus les vidéos sont vues, et mieux c'est. À bientôt. Thank you.